Dans le cadre de nos cours d'histoire et d'un EPI enseignement pratique interdisciplinaire en histoire avec l'étude de la Seconde Guerre mondiale et en français avec l'analyse de l'œuvre Un obus dans le cœur de l'auteur Wajdi Mouawad qui traite de la guerre du Liban mais aussi du fait d'écrire ses souvenirs pour aider à se reconstruire après la guerre. Cet EPI intitulé Devoir de mémoire a pour but de nous sensibiliser à ces événements, ce qui fait partie de nos parcours citoyens car il est important de se souvenir de ces faits tragiques et historiques afin de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. De plus, les classes de 3e C et de 3e A du collège Alexei Kandelaft sont inscrites à un concours intitulé Bulle de mémoire, initié par l'ONACVG, Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le but de ce concours est de rendre le 30 mars 2019 une BD collective sur le thème Après la guerre, se reconstruire. Dans le cadre de ce projet, nous sommes allés visiter le 7 mars 2019 le Mémorial National de la prison de Montluc, ainsi que le pont de Dorieux à Châtillon-d'Azergues, où 52 internés de Montluc furent fusillés en 1944. Nous avons surtout eu le privilège de rencontrer le 21 janvier 2019 M. Claude Bloch, interné à la prison de Montluc à Lyon, puis déporté à Auschwitz-Birkenau à l'âge de 15 ans. Son témoignage permet de transmettre la mémoire de la Shoah. Et il a accepté d'être filmé à cette occasion. Cela fait partie des initiatives de transmission que Claude Bloch encourage. En effet, sa parole et celle des derniers survivants de la Shoah doivent être diffusées au public le plus large, car les actes antisémites en France ne cessent d'augmenter. Des croix gammées sur le portrait de Simone Veil, un restaurant tagué du mot « Juden », qui signifie « juif » en français, ou encore la profanation d'un site à la mémoire d'Ilan Halimi. Écouter M. Bloch faire le récit de sa déportation, c'est comprendre que l'antisémitisme nie à l'égalité et à la dignité de tous les êtres humains. Faire lire, regarder, écouter la mémoire de la Shoah, c'est faire vivre des valeurs d'égalité et de respect, un devoir pour tous. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Claude Bloch. Je suis né le 1er novembre 1928 à Lyon. Donc, le 30 janvier 1933, Hitler, après avoir tenté un putsch en 1923, qu'il a raté, un putsch, c'est-à-dire pour prendre illégalement le pouvoir en Allemagne, bon, à cette époque-là, il avait été condamné à de la prison, il va faire 8 mois de prison. Pendant qu'il est en prison, il a écrit un livre, Mein Kampf, dans lequel il expliquait tout ce qu'il ferait si un jour il arrivait au pouvoir, à l'encontre des juifs, des communistes, des francs-maçons, etc. Alors effectivement, à la suite d'élections en 1932 en Allemagne, le parti qu'il a fondé, le Parti National Socialiste, est déclaré vainqueur de ces élections. Et donc il devient chancelier, là tout à fait légalement, et il prend ses fonctions le 30 janvier 1933. Il ne perd pas de temps puisque dès la mi-mars 1933, il ouvre le premier camp de concentration en Allemagne, le camp de Dachau, pour y enfermer surtout dans les premiers temps ses opposants, les communistes, les francs-maçons. À l'époque, ils s'occupent encore pas trop des juifs. Au contraire, ceux qui veulent quitter l'Allemagne peuvent le faire, à condition de laisser sur place tout ce qu'ils possèdent. En 1938, un fait important, la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les SS et une partie de la population allemande vont se déchaîner contre tout ce qui appartient aux juifs. Ils vont brûler des synagogues. Ils vont forcer la porte des appartements habités par des juifs. Ils vont casser les vitrines des magasins exploités par les juifs, si bien qu'on l'appellera la nuit de cristal. Bon, 1er septembre 1939, les Allemands, sans déclaration de guerre, entrent en Pologne, commencent à envahir ce pays. La France et l'Angleterre, qui ont des accords d'assistance à ce pays en cas de problème, déclarent aussitôt la guerre à l'Allemagne. Bon, la guerre va s'effectuer, 39, 40, et on les voit arriver au mois de mai, ils lancent une grande offensive, les Allemands lancent une grande offensive le 10 mai 40. Très vite, ils envahissent notre pays, notre gouvernement de Paris va s'installer à Bordeaux, et on les voit arriver ici, dans la région, fin mai, tout début juin. Bon, le maréchal Pétain est nommé chef du gouvernement début juin, 40, et le 17 juin, il prononce une allocution à la radio. À l'époque, il n'y avait pas la télévision. Il prononce une allocution à la radio pour nous dire, vu la situation militaire, on n'a pas d'autre solution que de demander un arrêt des hostilités à nos adversaires. C'est ce qu'il va faire. Et cet anniversaire
Cet armistice sera signé le 22 juin 1940, qui prévoit au point de vue territorial que la France va être coupée en deux. D'une part, toute la partie au nord de la Loire, plus toute la côte atlantique, des Pyrénées jusqu'en Bretagne, sera occupée par les Allemands. On parlera de zone occupée. Et la zone sud, dont fait partie la région ici, sera dite zone libre et administrée par le gouvernement de Pétain, qui de Bordeaux va s'installer à Vichy. Bon, je passe rapidement. Le maréchal Pétain, quand même, après avoir convoqué le Parlement, députés et sénateurs, pour leur demander les pleins pouvoirs, qu'il obtient facilement, puisque seuls 80 parlementaires vont s'y opposer, il dissout la Troisième République, proclame l'État français qui deviendra un État dictatorial. Et le 3 octobre 1940, sans aucune demande des Allemands, ce gouvernement de Pétain va promulguer la première loi anti-juive, qui interdit au point de vue professionnel aux Juifs d'occuper des emplois dans les administrations, les services publics ou d'exercer des professions libérales telles que médecin, avocat, etc. Ma mère, qui est veuve depuis 1938, mon père était décédé en 1938, ma mère avait trouvé un emploi à la préfecture du Rhône en septembre 1939. Elle a donc dû le quitter à la suite de cette loi. 41, un fait important à signaler, le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise, le Japon étant allié de l'Allemagne et de l'Italie, on appellera ces trois pays l'axe, l'aviation japonaise, ce 7 décembre 1941, va bombarder la flotte américaine à Pearl Harbor. Or, officiellement, les Américains étaient restés neutres dans ce conflit. Ils vont donc déclarer la guerre à l'axe, les trois pays, Allemagne, Italie, Japon, le lendemain du 7 décembre 1941. 20 janvier 1942, vont se réunir à Wannsee, une banlieue de Berlin, des dignitaires nazis pour parler principalement d'un problème qui les préoccupait beaucoup, comment arriver à la solution finale du problème juif. Donc ils se réunissent. Dans leur esprit, en janvier 1942, ils étaient sûrs de gagner la guerre. Partout où ils lançaient des offensives, ils occupaient les pays. Donc sur gagner la guerre, ce jour-là, ils ont décidé qu'en 1949, plus aucun juif ne devra survivre en Europe. Donc ils vont parler des moyens d'y arriver. 8 novembre 1942, les Anglo-Américains débarquent en Algérie. Aussitôt, les Allemands, prenant prétexte que puisqu'ils sont en Algérie, ils peuvent très bien arriver en France par la côte méditerranéenne, décident unilatéralement d'occuper entièrement notre pays, et on les voit arriver ici dans la région le 11 novembre 1942. Donc à partir de ce moment-là, ils occupent notre pays, à l'exception toutefois des Savoies, d'une partie du Dauphiné et du comté de Nice, qu'ils vont donner comme zone d'occupation à leurs alliés les Italiens. Et on les voit arriver ici à Lyon le 11 novembre 1942. Janvier 1943, le gouvernement de Vichy va créer la milice française. Cette milice sera une police supplétive qui sera chargée plus particulièrement, entre guillemets, de la chasse aux résistants qu'ils appelleront des terroristes, des juifs, des francs-maçons, toujours les mêmes. Février 1943, là, la demande des Allemands va être créée le STO, le service du travail obligatoire en Allemagne. En effet, les Allemands ont leurs hommes qui sont mobilisés dans leurs armées, ils ont besoin de main-d'œuvre dans leurs usines. Donc, suite à ce décret, tous les jeunes Français nés en 1920, 21 et 22, doivent partir travailler en Allemagne. Certains vont y aller, d'autres vont se cacher pour ne pas y aller. Une troisième catégorie va entrer dans les maquis, ce qui en réalité va renforcer la résistance. Septembre 1943, les Italiens, dont le pays commence à être envahi par le sud, par les Anglo-Américains qui y ont débarqué, demande un armistice séparé à ces derniers. Ils l'obtiennent, ils rentrent chez eux en Italie, les Allemands prenant leur place dans leur zone d'occupation de Savoie, du Dauphiné et le comté de Nice, ce qui va entraîner un drame un peu plus tard.
1er novembre 1943. J'atteins l'âge de 15 ans. À partir de cet âge, on est tenu d'avoir une carte d'identité. Auparavant, les Juifs avaient été tenus de se déclarer dans les commissariats de police comme étant Juifs, moyennant quoi il était établi des listes avec les noms et adresses et apposé un tampon juif sur les pièces d'identité. Mes grands-parents, ma mère, puisque je vivais à Lyon avec mes grands-parents maternels, mes grands-parents, ma mère, ne s'étaient pas déclarés. Moi, j'ai eu cette carte d'identité qui, à l'époque, était établie par les préfectures à la main, c'est-à-dire une plume trempée dans l'encre, c'était donc manuscrit. J'ai eu cette carte d'identité sans le tampon juif et mon grand-père l'a habilement maquillé en changeant le O en A et en ajoutant ET à la fin. Ce qui fait qu'en été, j'avais une pièce d'identité avec tous les tampons officiels au nom de Blachet. En février 44, ma grand-mère apprend je ne sais comment qu'il risque d'y avoir des robes de juifs à Lyon. Aussitôt, il est décidé par mes grands-parents et ma mère de quitter nos appartements de Lyon et de chercher à se loger en dehors de la grande ville, pensant qu'on serait plus en sécurité. Enfin, on trouve des gens qui nous louent trois pièces au premier étage de leur villa, dans une commune qui s'appelle Crépieux. À l'époque, c'était une commune autonome qui, après-guerre, a été rattachée à Rieux-la-Pape. Donc, on est allé s'installer là, fin février 44, et chaque matin, avec ma mère, on prenait le bus à 6h30 le matin. À l'époque, il y en avait peut-être un toutes les heures. On prenait ce bus de 6h30 qui nous ramenait à Lyon. Ma mère allait à son travail et moi, j'allais à l'école à La Martinière, dans le quartier des Terreaux. Et le soir, je rentrais, souvent seul, on n'avait pas les mêmes horaires, ma mère et moi. Je rentrais en reprenant ce bus qui me ramenait à Crépieux. Mais il arrivait parfois que ce bus était arrêté en cours de route, soit par la police, la milice ou la Gestapo, qui montait à bord pour vérifier les cartes d'identité. Comme il y avait très peu de bus, on était très nombreux dans le bus, serrés les uns contre les autres, les jeunes, on était debout, les étudiants comme moi, on avait nos cartables à nos pieds. Et ma foi, ils passaient entre nous comme ils pouvaient. Ils n'ont jamais vu que ma carte d'identité était maquillée et pourtant j'étais pas tranquille. Et j'étais pas tranquille pourquoi ? J'étais pas tranquille à cause de mon cartable. Alors pourquoi mon cartable me faisait si peur ? Eh bien j'étais rentré 2 ans plus tôt à La Martinière. L'année scolaire 42-43, j'avais fait la préparatoire. J'étais donc rentré sous mon vrai nom. Et dans ce cartable, j'avais mes cahiers, mes livres étiquetés à mon vrai nom, Bloch, et cette carte d'identité au nom de Blachet. Et chaque fois, j'avais peur qu'il me fasse ouvrir ce cartable pour voir ce qu'il y avait dedans, d'autant plus qu'à l'époque, des résistants qui transportaient des documents les transportaient parfois dans des cartables semblables aux miens. Enfin, ça ne s'est jamais produit parce qu'ils auraient vu que ce qu'il y avait dans le cartable, ce n'était pas le même nom que la carte d'identité. Ça ne s'est jamais produit. De ce côté-là, tout s'est bien passé. Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire des enfants d'Izieux? Oui. Quels sont ceux qui n'en ont pas entendu parler? Bon, alors je vais vous en dire 2 mots. Un couple d'origine polonaise, monsieur et même latin, avait créé ce qu'ils appelaient une colonie dans le sud de la France, du côté de Montpellier, Béziers, je n'ai pas l'endroit exact. Ils s'étaient installés là, ils avaient ouvert cette colonie au tout début de l'occupation allemande, mais que quand la zone sud était libre, entre guillemets, ils s'étaient installés là et recevaient des jeunes enfants juifs qui arrivaient, qui repartaient, les parents les amenaient. Bon. Mais quand les Allemands ont occupé entièrement la France, parce qu'ils avaient peur d'un débarquement allié par la côte méditerranéenne, ils se sont sentis moins tranquilles. Et Madame Zlatin, c'était le nom du couple, Monsieur et Mme Zlatin, Mme Zlatin a cherché où elle pourrait bien aller s'installer ailleurs. Enfin, finalement, elle a trouvé une maison isolée dans une commune qui s'appelle Izieux, et le sous-préfet de l'endroit lui a dit « Vous pouvez vous installer là, vous êtes en zone italienne,
et les Italiens s'occupent absolument pas de ce que les nazis appellent le problème juif, ce qui était exact. Donc elle est partie s'installer à Izieux. Elle recevait toujours des enfants comme ça, jusqu'au jour où les Allemands ont occupé entièrement notre pays, puisque les Italiens étaient partis. Là, elle s'est sentie moins tranquille, mais elle est où ? Toute la France était occupée. Et le 6 avril 1944, Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, qui a appris l'existence de cette colonie, a pris la décision d'envoyer des soldats pour aller chercher les 44 enfants qui, à l'époque, étaient dans cette maison, les 7 moniteurs et le directeur de la colonie. Mme Zlatin, elle n'était pas là ce jour-là. Donc ils sont arrivés de bonne heure le matin, les enfants étaient en train de prendre leur petit déjeuner, le plus jeune avait 4 ans, ils ont emmené tout le monde, les 44 enfants, les 7 moniteurs et donc M. Zlatin. Ils les ont emmenés à la prison Montluc, à Lyon, où ils ont passé la nuit du 6 au 7 avril. Et le 7 avril, ils les ont emmenés dans un camp qu'ils avaient créé à Drancy, en banlieue parisienne, dans le but d'emmener les gens qu'ils y amenaient ailleurs, ensuite ailleurs. Donc ces enfants ont été emmenés à Drancy, un camp dont je vous reparlerai plus tard dans mon récit. Ils sont restés là à partir donc du 7 avril et à partir du 13 avril, ça s'est fait en 2 ou 3 ou 4 convois, une partie des enfants, le directeur et les 7 moniteurs ont été emmenés à Auschwitz. En ce qui concerne les enfants, ils ont tous été gazés. Le directeur et je crois un ou deux moniteurs ont été fusillés ailleurs. Mais enfin, tout le monde a été tué à l'arrivée à Auschwitz. Il en a été de même pour tous les enfants qui étaient restés et qui sont arrivés par les convois suivants. C'est ce que je voulais vous dire en passant. En ce qui nous concerne, début mai 1944, on s'est dit qu'on avait bien fait de quitter nos appartements. Parce que celui de mes grands-parents, la porte en a été forcée par la milice, qui ont pillé tout ce qu'il y avait dedans, et en ont fait des bureaux pratiquement jusqu'à la libération de Lyon. Si on avait été là ce jour-là, on aurait été arrêté à ce moment-là. 26 mai 1944, bombardement de Lyon par les Américains, qui visaient les voies ferrées. Ils ont atteint les voies ferrées dans le quartier de Vaise, en faisant beaucoup de dégâts aux alentours, évidemment. Ils visaient aussi la voie ferrée qui est parallèle à l'avenue Berthelot à Lyon. Là, ils n'ont pas touché la voie ferrée. Par contre, les immeubles alentours ont beaucoup souffert, et entre autres, l'immeuble de l'école de santé militaire qui avait été réquisitionné par la Gestapo pour en faire son siège au 14 avenue Berthelot. Aujourd'hui, c'est le siège du CHRD, le centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Mais à ce moment-là, donc, ce siège a été atteint par des bombes et la Gestapo s'est repliée alors dans un immeuble 32 Place Bellecour qui fait l'angle de ce qui est aujourd'hui la rue Saint-Exupéry après en avoir évacué les habitants dans la journée. Le 6 juin 1944, débarquement des Alliés en Normandie. Là, à Lyon, on avait un avantage, c'est d'avoir des informations assez exactes sur ce qui se passait sur les différents fronts. Parce que si la radio, les journaux français subissaient la censure, on ne pouvait pas tout dire, si Radio Londres, on arrivait à capter, mais très très mal, sur nos gros postes de TSF, comme on disait à l'époque, on avait l'avantage à Lyon, c'est de capter très bien Radio Genève. Et par ce biais, on savait ce qui se passait un peu sur les différents fronts, et on savait, en l'occurrence, que les Anglo-Américains avaient débarqué, qu'ils se tenaient sur le sol français, au début ils avançaient pas beaucoup, mais enfin qu'ils étaient là. Et on a repris espoir un peu en se disant, peut-être que la guerre est bientôt finie, qu'on va se sortir de tout ça, de tout ce qu'on risque, parce qu'on savait, enfin, tout au moins mes grands-parents et ma mère, moi je ne savais pas exactement, j'avais 15 ans et demi à l'époque, donc ils se sont dit, bon, peut-être que la guerre va bientôt finir. Mais on s'est dit ça jusqu'au 28 juin 1944. Ce 28 juin, Philippe Henriot, le ministre de l'information de Vichy, qui chaque soir à la radio prononçait une chronique haineuse
toujours à l'encontre des mêmes, les juifs, les résistants, les communistes, etc. Ce jour-là, il est tué par des résistants. Aussitôt, grand branle-bas de combat, surtout à Lyon, dans le milieu de la milice, commandée par Paul Touvier, qui décide, à titre de représailles, de faire fusiller des juifs. Il fixe le nombre à 8. On ne saura jamais pourquoi il a fixé ce nombre-là plutôt que 50 ou 100. Enfin, c'était 8. Donc, il en a dans les locaux qu'il occupe, un poste Catelin, à l'angle de la rue Sainte-Hélène. Et à ce moment-là, un milicien va lui parler dans l'oreille. Quand il a fini, dans les 8 hommes, il le fait remettre en cellule. Et pourquoi ? Parce que le milicien est venu lui dire « Celui-là, c'est pas un juif, c'est un résistant. » Effectivement, il s'appelait M. Goudard, et il avait été arrêté pour fait de résistance. Donc, c'est bien que des juifs que Touvier voulait faire fusiller à titre de représailles de cet assassinat. Donc, le lendemain matin, le jeudi 29 juin, de bonne heure, il part avec ses francs-gardes armés et les 7 juifs en question devant le mur du cimetière de Rieux-la-Pape où ces 7 hommes sont fusillés. Nous, on est à peu près à 1 ou 2 kilomètres à vol d'oiseau de cet endroit. Depuis quelques jours, je suis en vacances scolaires. Ma mère est en congé maladie. Mon grand-père, lui, pratiquement ne quittait jamais la maison. Et ma grand-mère nous avait dit la veille, demain jeudi, j'ai rendez-vous à Lyon l'après-midi chez le dentiste, je partirai le matin et j'en profiterai pour faire des courses. Donc ce jeudi 29 juin 1944, ma grand-mère s'en va. Moi, je passe la matinée à mettre mon vélo en état parce que notre propriétaire avait dit à ma mère, votre fils est en vacances, j'ai de la famille dans la Drôme en pleine campagne, si vous voulez, je peux l'y conduire, il sera plus en sécurité qu'ici. Donc le lendemain, on devait partir à vélo dans la Drôme. À 11h, je monte faire ma toilette et à midi moins le quart, deux hommes se présentent au rez-de-chaussée de la maison et nous demandent. Le propriétaire leur dit qu'ils sont au premier étage. Ils montent tous les deux. L'un d'eux va poser son revolver sur la table. Évidemment, je ne savais pas qui c'était, mais je saurais beaucoup, beaucoup plus tard, au début des années 70, par des photos qui vont paraître dans la presse de l'époque 44, que cet homme qui avait posé son revolver sur la table était Paul Touvier. Ils nous disent, vous préparez une valise, on vous emmène. À ce moment-là, ma mère me dit, change-toi. J'avais deux pantalons au choix, on est le 29 juin. Un pantalon court, un short si vous voulez, et un pantalon long. Bon, j'hésite pas, moi, le 29 juin, je prends mon pantalon court pour le mettre, et curieusement, ma mère me dit non, mets ton pantalon long. Bon, c'était pour le moment demander des explications. J'ai mis mon pantalon long sans comprendre, et ils nous ont emmenés, et comme ils le faisaient parfois, ça arrivait dans certains cas, ils ne nous ont pas emmenés à leur siège de la milice, mais ils nous ont laissés au siège de la Gestapo, place Bellecour. Là, on nous a fait descendre dans la cave. Il y avait des chaises alignées, comme vous êtes là. À l'entrée, un Allemand avec un registre qui prenait le nom des gens qui arrivaient. Et on s'est assis, chacun sur une chaise. Mon grand-père, ma mère et moi, il y avait déjà des gens dans cette cave. On tournait le dos à la porte. Interdiction de parler, de bouger, etc. Et au bout d'un moment, peut-être une heure ou deux, un homme vient chercher mon grand-père et ma mère pour interrogatoire. Ils partent tous les deux dans les étages, moi ils me laissent là dans la cave et j'attends. Et au bout encore, peut-être d'une heure ou deux, ma mère revient en pleurs et me glisse dans l'oreille, ils ont tué ton grand-père. Effectivement, au bout d'un moment, j'entends son nom derrière nous. Je me retourne, c'était interdit, mais je me retourne quand même. Et je vois effectivement son corps sur les épaules d'un homme qui vient le faire pointer, sorti. Après, j'ignore totalement ce qu'ils ont fait de son corps. On a donc fini l'après-midi dans cette cave. Et le soir, ils nous ont emmenés à la prison Montluc, où on a passé une nuit dans une cellule à 7 ou 8, dans une cellule de 4 mètres carrés. Le lendemain matin, ils sont venus me chercher, moi, pour me mettre dans une baraque qui existait dans la cour de la prison et qu'on m'appelait la baraque aux juifs parce que dans cette baraque, ils mettaient tous les hommes juifs. Il y avait également quelques résistants,
mais enfin, principalement, ils mettaient les juifs. Du reste, quand ils arrêtaient des hommes pour faire une résistance et qu'ensuite ils s'apercevaient qu'il était juif, ils le mettaient dans cette baraque. Donc voilà, on était dans cette baraque. Un avantage sur les gens qui restaient en cellule, parce que toutes les femmes, quelle que soit leur catégorie, résistantes, juives ou raflées, et tous les hommes non juifs, restaient en cellule, à 7 ou 8 par cellule. Nous, dans cette baraque, elle était relativement grande. J'ai jamais eu l'impression qu'elle était totalement pleine. On pouvait aller venir toute la journée, de long en large, on n'avait rien d'autre à faire. Ils nous ont jamais fait sortir dans la cour. Ils nous apportaient à manger peut-être une fois par jour. Alors on se promenait de long en large, on discutait un peu entre nous. Le soir, on couchait par terre. On se battait, comme dans toute la prison, on se battait contre les punaises qui sortent là la nuit. Enfin, finalement, voilà, le temps passait comme ça. Mais on savait par les anciens qu'il se produisait parfois quelque chose, le matin de bonne heure. Ça s'est produit 3 fois pendant que j'y étais. Ça se faisait dans toute la prison. Mais en ce qui concerne la baraque, donc de bonne heure le matin, ouverture de la porte, lumière, un Allemand sur le pont de la porte, une liste de noms par ordre alphabétique, des hommes qui étaient dans cette baraque. Ils appelaient donc un certain nombre de personnes et on savait que ces listes se terminaient par l'une des deux formules, avec bagage ou sans bagage. Les deux premières fois que j'ai entendu ces listes, la formule a été sans bagage. Alors on savait que sans bagage, ça voulait dire que les gens qui avaient été appelés allaient quitter la prison et eux, ils le savaient évidemment aussi, qu'ils allaient quitter la prison et être fusillé dans la journée. Vous avez beaucoup de villages dans les environs de Lyon, et en particulier dans cette région, la vallée d'Azergues, où vous avez certaines communes qui ont des plaques ou un petit monument commémoratif qui indique qu'à cet endroit, tant de détenus, à telle date, tant de détenus de Montluc ont été fusillés. Le 20 juillet, troisième appel. Cette fois, mon nom est prononcé. Donc, dans les premiers, j'ai dû attendre la fin de la liste pour savoir comment elle allait se terminer. Finalement, elle s'est terminée par la formule avec bagage, ce qui était un certain soulagement, parce qu'on savait qu'avec bagage, on allait quitter la prison, mais non pas pour être fusillé, mais pour être transféré ailleurs. Donc très content de ne pas être fusillé la journée, d'autant plus qu'on ignorait, enfin moi j'ignorais totalement ce que pouvait être cet ailleurs. Toujours est-il que là, ils nous ont fait sortir dans la cour, ceux qui avaient été appelés. J'ai retrouvé ma mère, qui avait été appelée dans sa cellule, et nous ont amenés à Perrache, où nous attendait un train composé de wagons de voyageurs de 3e classe. À l'époque, il y avait 3 classes dans tous les chemins de fer d'Europe. On est monté dans ces wagons, les hommes dans une partie du train, les femmes dans l'autre, et on est parti ce 20 juillet 21. Et le 22 juillet, ce train s'arrête dans une petite gare dont j'ai pas vu le nom tout de suite, mais enfin je saurai après qu'il s'agissait de la gare de Bobigny, en banlieue parisienne, où nous attendaient des bus de Paris qui nous ont emmenés à 3 km de là, dans ce camp de Drancy que j'évoquais tout à l'heure au sujet des enfants d'Isieux. Alors ce camp de Drancy, à l'époque, c'était des bâtiments qui aujourd'hui sont des HLM habités. Ils existent toujours, ces bâtiments. Mais à l'époque, c'était des bâtiments qui n'étaient pas terminés. Ils étaient construits en fer à cheval, c'est-à-dire sur 3 côtés, comme ça, le 4e côté étant barré par des barbelés et une porte gardée par des gendarmes français. Donc ces bâtiments n'étaient pas terminés, mais enfin il y avait le gros œuvre, c'est-à-dire le toit, les gros murs, quelques fenêtres, donc, mais entièrement, pratiquement entièrement vide à l'intérieur. Donc ça faisait des grands espaces. Ils nous ont mis dans un de ces bâtiments. Je me suis retrouvé dans le même bâtiment avec ma mère. Pendant le temps qu'on a passé à Drancy, on a été ensemble. Mais pendant qu'on y était, encore un événement important un jour. On voit arriver des bus de nouveau, mais alors cette fois, à l'intérieur, que des enfants. Des enfants seuls. Les plus jeunes avaient 2 ans. Ils venaient d'où, ces enfants? Ils venaient de maisons qui avaient été ouvertes pour eux à Paris et dans la banlieue, à la période, c'est-à-dire 41 et tout début 42, quand il y avait des roffes de juifs à Paris ou dans la région, les nazis
n'emmenaient ensuite pour une destination inconnue que les adultes, c'est-à-dire à partir de là de 15 ans, qui était le mien à l'époque, puisque jusqu'à 14 ans inclus, on était considéré comme enfant. Donc ils emmenaient que les adultes et laissaient sur place les enfants au gouvernement de Vichy de s'en débrouiller. C'est comme ça qu'ils avaient trouvé des maisons pour les mettre, jusqu'au jour où René Bousquet est venu voir les Allemands à Paris. Ce par-là, ça devait être en mai-juin 1942, ce qui est sûr, c'était avant la grande rafle du Veldiv à Paris, des 16 et 17 juillet 1942. Donc il est venu voir les Allemands pour leur dire « Tout ça, c'est bien gentil, mais nous, les enfants, on ne sait plus où les mettre. » Alors maintenant, quand vous arrêtez ou vous nous faites arrêter par notre police des familles juives, emmenez tout le monde, ne nous laissez plus les enfants. Et les enfants qui étaient restés dans ces maisons, ils nous les ont amenés à Nancy dans cette période du 22 juillet au 31 juillet 1944. Et le 31 juillet, rassemblement dans la cour de Nancy de 1000 adultes, dont j'ai fait partie avec ma mère, et des 300 enfants qu'ils avaient amenés dans la période, et retour à la gare de Bobigny, où cette fois nous attendait un train composé de ces wagons en bois qu'on appelait des wagons à bestiaux, sur le flanc desquels était marqué « Homme 40 » ou « Chevaux en long 8 », ce qui voulait dire que ces wagons pouvaient transporter 40 hommes, parce que pendant la guerre, vous aviez des régiments, des soldats qui étaient emmenés dans des wagons semblables. Il y avait des bancs pour eux à l'époque, ou alors c'était des wagons sans bancs où ils transportaient des chevaux. Mais en ce qui nous concerne, ils avaient enlevé les bancs. Ils nous ont fait monter dans chaque wagon entre 80 et 100 par wagon, sans nourriture, sans eau. On est le 31 juillet, il faisait très chaud. On a été serrés là-dedans. Il y avait plusieurs possibilités d'aérer ces wagons. Il y a des rectangles, il y en a 3 ou 4 par côté, ça fait environ 8-10 de ces rectangles. Mais il suffisait d'abaisser une trappe pour ouvrir, faire entrer l'air. Ils avaient toutes condamnées, sauf une. Il y avait juste un rectangle ouvert qui laissait entrer un peu d'air dans le wagon quand le train roulait. Donc on est monté là, debout, complètement serrés les uns contre les autres, sans nourriture, sans rien donc. Et on a voyagé comme ça le 31 juillet, le 1er, le 2 août et le 3 août, sur le coup de 3 heures du matin environ, ce train s'arrête. On entend à l'extérieur des cris, des hurlements de chiens, on se demandait bien où on arrivait. Par ce rectangle ouvert, on voyait qu'il faisait nuit, lumière électrique, aucune idée d'où on était. Tout à coup, les portes s'ouvrent et on voit apparaître des hommes, curieusement habillés, en costume rayé bleu et gris, qui nous disent « Vous sautez du wagon, les hommes à gauche, les femmes et les enfants à droite. » Alors tout de suite, une grande pagaille. Parce qu'il nous avait dit les hommes à gauche. Mais la gauche de qui? Nous, pour nous, la gauche, elle est là. Mais eux, ils sont en face de nous, comme vous êtes en face de moi, là. Donc, votre gauche, il est de l'autre côté. Et dans leur esprit, c'était leur gauche à eux qu'il fallait comprendre. Donc, ça a été des cris, des bousculades. Finalement, on s'entre... voilà, on était là, on ne savait plus du quel côté il fallait aller. Et puis, moi, je me suis dit... Je ne suis pas grand, je n'ai pas grandi depuis, hein, j'ai gardé la même taille. Je faisais 45 kilos à l'époque, je n'étais pas épais, j'en fais 20 de plus aujourd'hui. Je me suis dit, dans le fond, ils ne me connaissent pas. Donc, enfants et femmes d'un côté, je suis allé du côté des femmes pour rester avec ma mère, qui, curieusement, m'a repoussé brutalement du côté des hommes. Si bien que dans cette pagaille, on s'est perdu de vue instantanément, sans rien se dire, encore moins s'embrasser, c'est la dernière vision que j'ai de ma mère me repoussant du côté des hommes, je ne l'ai jamais revue. En réalité, on est arrivé là à Birkenau, qu'on appelle aussi Auschwitz II. Donc je suis descendu de ce wagon, je me suis retrouvé dans une file d'hommes, parce qu'ils nous faisaient mettre en file indienne, c'était pareil du côté des femmes et enfants, mais on ne les voyait plus. Donc on s'approchait d'un SS qui nous regardait comme ça et qui nous faisait un signe. Comme ça, comme ça. Alors une fois là, trois ou quatre fois de l'autre côté, bon, on allait du côté qui nous indiquait sans savoir pourquoi.
du côté des femmes et enfants, c'était pareil. On s'est retrouvés donc en deux files d'hommes, du côté des femmes et enfants. Elles se sont bien sûr retrouvées aussi en deux files, en sachant que toute femme qui arrivait avec un enfant ou des enfants à côté d'elle était systématiquement dans une même file. Bon, donc on est en deux files. Je vous parlerai un peu plus tard dans mon récit de ce que va venir la file dans laquelle je n'étais pas pour les hommes, c'était pareil pour les femmes. Pour le moment, je vais vous parler de la file dans laquelle j'étais. Alors on nous a expliqué qu'on n'était pas destiné à rester dans ce camp de Birkenau, mais qu'on était destiné à aller au camp principal d'Auschwitz, Auschwitz 1, parce que Birkenau, on l'appelle Auschwitz 2, donc à Auschwitz 1, le camp principal, qui est à 3 km de Birkenau. Alors, dans la nuit, on a fait les 3 km à pied, toujours après nos 4 jours de voyage, là, sans nourriture, sans eau, on a fait nos 3 km à pied pour arriver dans ce camp d'Auschwitz, qui, contrairement aux autres camps, n'est pas composé de baraques en bois, mais de bâtiments en briques d'un étage, parce que Auschwitz est une ancienne caserne de l'armée polonaise. Donc les nazis, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé ce lieu tout prêt pour en faire un camp, c'était tout construit. Donc Auschwitz a donc ouvert tout de suite en 40 quand les Allemands y sont arrivés. Donc nous, on est arrivés là, ils nous ont fait entrer dans un bâtiment au rez-de-chaussée, entièrement déshabillé, tendu de la tête aux pieds, tatoué un numéro sur l'avant-bras gauche. Bon, ça fait pas mal de tatouages, vous en voyez à la télé, qui sont tatoués tout le corps. Si ça faisait mal, ils en font pas tant. Non, ça fait pas mal, ça fait des petites piqûres. Mais ce qui était important, c'était pas le tatouage en lui-même, c'est la signification de ce tatouage. Parce qu'à partir de la seconde où on a eu ce tatouage sur le bras, à leurs yeux, on sortait du monde des humains, on entrait dans un monde pire que des animaux. On n'était plus rien, on devenait des numéros, on avait perdu on a perdu toute identité humaine. Donc à la suite de ça, ils ont donné un pantalon, une veste et deux souliers, à nous nous débrouiller entre nous pour avoir des choses qui nous aillent à peu près à notre taille, et ensuite ils nous ont mis dans un de ces bâtiments en briques. Pour nous, les arrivants, ça a été le numéro 2. Je me suis retrouvé au premier étage de ce bâtiment qui était composé exclusivement de chalits. Les chalits sont des lits en bois superposés sur 3 niveaux. Chaque niveau avait une paillasse individuelle. Ils nous ont mis 2 par paillasse, à nous de nous débrouiller pour se coucher comme on pouvait. Donc le soir, on se couchait comme on pouvait. Et le matin, sur le coup de 4h30, quand on est arrivé, parce qu'il fait jour de bonheur dans l'Est, au mois d'août, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on soit dehors la nuit. Dès qu'il faisait nuit, il fallait qu'on soit à l'intérieur des bâtiments. Donc là, ils nous faisaient lever par le hurlement des capots. Les capots, c'était des détenus de droit commun, plus ou moins assassins, qui avaient été condamnés par les tribunaux à de lourdes peines de prison, qu'ils étaient allés chercher dans leur prison pour les mettre parmi nous et faire respecter la discipline. Vous voyez, en quoi ils avaient tous les droits de nous taper dessus à coups de poing, à coups de pied, avec des bâtons. Ils avaient tous les droits sur nous. Donc on se levait rapidement, je ne dis pas qu'on s'habillait, pratiquement on ne se déshabillait jamais. Donc on se levait rapidement, après avoir toutefois regardé à notre niveau si tout le monde se levait, parce qu'il arrivait parfois que certains ne se lèvent pas parce qu'ils étaient morts dans la nuit. Soit parce qu'il y a longtemps qu'ils étaient là, ils étaient morts par épuisement, soit ils avaient été arrêtés alors qu'ils avaient une maladie qui nécessitait des médicaments. Depuis leur arrestation, ils n'avaient plus de médicaments et ils finissaient par mourir de leur maladie. Auquel cas, il fallait qu'on les prenne et qu'on les descende avec nous puisqu'on était au premier étage, parce qu'arrivés en bas, dehors, nous, on se mettait au garde-à-vous, comme ça, debout, sur une certaine largeur, une certaine profondeur. Les capots avaient fait tout ça. S'il y avait eu des morts dans la nuit, un ou deux ou trois morts, on les couchait par terre devant nous et on attendait ce qu'on appelait l'appel du matin. C'était pas un appel au sens strict du mot.
Ils ne nous appelaient pas comme ça par numéro, ça n'aurait pas fini. Non, on attendait un SS qui venait en réalité nous compter. Alors ils comptaient ceux qui étaient devant, ils multipliaient par ceux qui étaient en profondeur. Les capots avaient vérifié tout ça, lui avaient donné toutes les indications utiles. Le matin, il n'y avait jamais de problème. Il ne fallait pas perdre de temps puisqu'après on allait travailler. Donc l'appel du matin était relativement rapide. À la suite de ça, on rompait les rangs et nous distribuait qu'une chose le matin. Une cuvette de ce qu'ils appelaient le café pour 6. On buvait ça à tour de rôle à 6 et on partait travailler. J'avais été affecté à un commando de terrassement. Alors on partait au pas, aligné comme un régiment. On partait au pas, encadré toujours par des SS et des capots. Un orchestre composé de déportés nous jouait des airs entraînants à la sortie du camp et on partait jusqu'à notre chantier, 1 ou 2 kilomètres. Là, on retrouvait nos pioches, nos pelles, et toute la journée, pliés en deux, et bien on piochait. Avec les pelles, on transportait la terre à droite, à gauche. On n'a jamais su pourquoi ils nous faisaient faire ça. Je suppose que c'était surtout pour nous épuiser. Bon, alors à midi, il y avait une pause. Arrivait du camp, amené par des déportés, des marmites, de ce qu'ils appelaient la soupe. Toujours, ces déportés étaient toujours escortés par des SS et des capots. Ces derniers se chargeant de la distribution d'une cuvette de bouillon pour 4. Si par hasard il y avait quelques légumes dans ces marmites, ils étaient tombés au fond de la marmite et les capots qui faisaient la distribution se les gardaient évidemment pour eux. Donc nous, on avait droit à une cuvette de bouillon pour 4 après notre café du matin et reprenait le travail tout l'après-midi. Bon, ce bouillon, on ne sait pas trop avec quoi il était fait, sûrement de l'eau non potable, on avait tous la diarrhée, ce qui contribuait à nous épuiser un peu plus vite, mais c'était le but de toute façon dans ce camp. Donc voilà, on retravaillait toute l'après-midi et le soir, on rentrait toujours aligné au pas, en ramenant, s'il y en avait eu dans la journée sur le chantier, le ou les morts. Parce qu'il fallait qu'ils soient présents à l'appel du soir. Parce qu'arrivé au camp, on se remettait au garde à vous comme le matin, après notre journée de travail, sans bouger, et attendre que le SS vienne nous compter. Mais alors le soir, rien ne pressait. La journée était finie, il n'y avait plus rien à faire après. Donc le SS prenait tout son temps pour venir. Il arrivait dans le quart d'heure ou la demi-heure suivante, s'il avait peut-être autre chose à faire, je ne sais pas, ou ça pouvait durer 1 heure, 2 heures, il n'y avait pas de limite, 3 heures. Il revenait, il nous comptait. Alors là, quand il avait fini, le soir, encore 2 possibilités. Où il trouvait tout de suite le bon nombre, c'est-à-dire le même nombre que le matin, où il prétendait qu'il manquait quelqu'un, et il partait pour chercher son erreur. Je dis prétendait, parce que de notre groupe, j'ai jamais vu d'évasion. On partait le matin, on rentrait le soir, toujours le même nombre. Mais lui, il prétendait qu'il manquait quelqu'un. Comme si le fait de partir, je ne sais où, lui aurait permis de trouver une erreur s'il y en avait eu une. Non, c'est encore plaisir de nous faire attendre. Il n'y avait pas de limite le soir. Je vous dis, ça pouvait durer 2 heures, 3 heures ou plus. On était là toujours au garde à vous. Enfin, il revenait. Il avait naturellement trouvé le bon nombre qui avait toujours été le même. Et à ce moment-là, on rompait les rangs et nous distribuait la seule nourriture solide pour 24 heures. La seule nourriture solide pour 24 heures, c'est-à-dire un cube de pain noir d'environ 200 grammes, sur lequel était posée une rondelle tantôt blanche, tantôt noire, qu'on prenait pour la margarine ou du boudin. Mais dans le fond, on se fichait pas mal de savoir ce que c'était. On n'avait que ça pour 24 heures. On mangeait ça, on remontait se coucher, et le lendemain, c'était pareil, à une exception près, le dimanche. Alors le dimanche, réveil à la même heure, descendre pour l'appel du matin, qui lui pouvait durer plus longtemps que les autres jours, parce que l'exception du dimanche, c'est qu'on n'allait pas travailler. Donc rien ne pressait pour l'appel. Alors là encore, le SS venait quand il voulait. On attendait. Il venait,
distribution du café ensuite. Et après, on devait se promener dans le camp toute la journée, quelle que soit la météo. Au début, il faisait beau, il a plu, il a neigé, il a gelé. Mais on devait rester dehors toute la journée en se promenant de long en large à l'intérieur du camp. Interdiction formelle d'entrer dans un bâtiment, quelle que soit la météo, quels que soient nos besoins. Donc toute la journée, on se promenait. On restait bien sûr entre francophones, c'est-à-dire français, et les quelques belges francophones qui pouvaient être dans le camp. Et voilà, parce qu'il y avait toutes les nationalités possibles et imaginables d'Europe, depuis les Grecs jusqu'aux Hollandais. Tout le monde était représenté dans ces camps. Chacun parlait sa langue, on ne se reprenait pas entre nous, ce qui parfois créait des incidents. Donc voilà, on se promenait tout le dimanche comme ça. Parfois, c'est arrivé quelquefois, ils avaient prétendu dans la semaine que certains avaient cherché à s'évader, alors ils les avaient mis de côté, et le dimanche, ils les pendaient, on devait assister à la pendaison. Donc voilà, ça continuait comme ça, tout le temps pareil. Et donc, de temps à autre, il arrivait parfois, surtout après l'appel du matin, que le SS désigne de loin certains d'entre nous, comme ça, ils faisaient signe de les sortir des rangs. Voilà. Alors ces hommes, puisque à Auschwitz, là où on est, c'était qu'un camp d'hommes, donc les hommes sortaient des rangs, et ils étaient emmenés à Birkenau. Et c'est là qu'on va retourner à Birkenau, pour parler d'abord de ce camp de Birkenau, et ensuite des gens qui étaient restés dans la colonne au moment de l'arrivée du train, la deuxième colonne, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, Birkenau, d'abord c'était un village habité par les Polonais qu'ils ont évacué rapidement. Ils ont évacué sur une surface de 40 km carrés, ils ont évacué tout ce qui habitait là. Donc ils ont détruit leur maison et ils ont construit Birkenau à partir de 1940 quand ils ont ouvert Auschwitz par les prisonniers d'Auschwitz. Donc ce camp de Birkenau, quand on y va maintenant il y a une voie ferrée au milieu quand on arrive. Elle n'a pas été tout de suite la voie ferrée. Elle a été en réalité faite dans le camp de Birkenau en avril-mai 1944. Auparavant, les déportés qui arrivaient, ils arrivaient à 1,5 km de là et c'est à pied qu'ils arrivaient à Birkenau. Mais là, depuis 1944, il y avait donc cette voie ferrée. À gauche, c'était le camp des femmes. À droite, le camp des hommes, quand on y va maintenant. Et en plus des baraquements pour les détenus, ils avaient construit 4 bâtiments en béton. 2 en sous-sol, les numéros 2 et 3, et 2 hors-sol, les numéros 4 et 5. Les numéros, ils avaient laissé le numéro 1 à affecter un petit bâtiment de même usage au camp principal d'Auschwitz où j'étais, mais qu'ils ont désaffecté quand Birkenau a ouvert tout à fait fin 41 ou début 42. Donc voilà ce qui se passait pour ceux qui avaient été mis dans une autre colonne que la mienne quand on est arrivé, ces hommes qu'ils avaient désignés, et du côté des femmes et enfants, puisque toute femme qui arrivait avec un enfant ou des enfants avec elle était dans cette même colonne. Parce qu'en réalité, dans la colonne où j'avais été mis, étaient ceux que le SS, en nous regardant comme ça, avait jugé aptes au travail, et la colonne à côté, inapte au travail. J'ai toujours douté de ça, parce que je ne suis pas grand, je n'ai pas grandi depuis, j'étais pas épais, je faisais 45 kilos, donc j'avais été mis apte au travail, alors que des hommes, dans la force de l'âge, avaient été jugés inaptes au travail. Non, je crois plutôt que quand ils étaient informés qu'un train allait arriver, qu'ils avaient besoin d'un certain nombre de personnes pour ce qu'ils avaient à faire. Donc le SS qui faisait le tri avait reçu l'ordre de retenir tant d'hommes ou tant de femmes sans enfants, et donc il devait compter dans sa tête un et puis trois ou quatre de l'autre côté. Voilà, parce que la deuxième colonne qui était restée, c'était les inaptes au travail. Alors, donc aussi bien ceux qui avaient été sélectionnés à la fin d'un appel que ceux qui étaient arrivés par le train, ils étaient rassemblés, hommes, femmes, enfants, ensemble, et dirigés, surtout à l'arrivée d'un train, vers l'un des deux bâtiments en sous-sol, l'un des deux plus grands, disons le numéro 2.
Alors ils arrivaient, ils descendaient, ils arrivaient dans une grande salle. Au mur, il y avait des crochets numérotés. Alors on leur faisait un petit discours dans la forme à peu près. Vous venez de faire un long voyage, vous êtes fatigué, vous allez prendre une douche, ça va vous délasser. Alors vous vous déshabillez, homme, femme, enfant, vous vous déshabillez, vous mettez vos vêtements à un de ces crochets, mais alors surtout, c'est très important, vous repérez bien le numéro du crochet auquel vous mettez vos vêtements, parce que vous voyez, vous êtes nombreux. Si vous ne vous rappelez plus de ce numéro, jamais vous retrouverez vos vêtements. Du convoi par lequel je suis arrivé, et c'est 726 personnes qui étaient concernées, les 300 enfants dont je vous ai parlé, plus quelques enfants qui étaient avec leurs parents, et environ donc 400 adultes, 420 adultes à peu près. Donc voilà, 726. Donc les gens déshabillaient, ils entraient dans la salle de douche, tout était installé, hein. Pomme de douche au plafond, tuyauterie, tout était bien installé. Quand tout le monde était entré, ils refermaient la porte. Et au rez-de-chaussée, puisque cette salle de douche est en sous-sol, au rez-de-chaussée, il y avait des SS avec des boîtes de conserve qui ouvraient. Ces boîtes de conserve, ils en vidaient le contenu, c'est-à-dire des granulés, par une cheminée qui arrivait, qui, au contact de l'air, se transformait en gaz et arrivait par les pommes de douche. En réalité, la salle de douche, c'était la chambre à gaz. Petit à petit, les gens en dessous étouffaient. Enfin, il était considéré qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tout le monde était mort. À ce moment-là, ils rouvraient la porte, faisaient fonctionner des ventilateurs pour évacuer les gaz et entraient en action un commando d'une soixantaine de déportés qu'ils avaient, hommes, qu'ils avaient sélectionnés dans le camp de Birkenau et qu'on va appeler le Sonderkommando et qui étaient chargés de sortir les cadavres de cette chambre à gaz, de tondre les femmes parce qu'ils récupéraient les cheveux pour faire des tissus, de regarder s'il y avait pour des dents en or qui traînaient dans une bouche ou l'autre, je ne sais pas s'ils les regardaient toutes, mais enfin auquel cas ils devaient les arracher, les mettre de côté. Ces cadavres étaient ensuite mis sur des chariots qui remontaient par un monte-charge au rez-de-chaussée où il y avait les fonds crématoires. Mais paraît-il, les SS voulaient pas qu'on sache quel était le rôle de ces Sonderkommando, alors que tout le monde le savait. Mais enfin, donc, ils voulaient pas qu'on sache. Alors, ils avaient trouvé un moyen qu'ils pensaient efficace. C'est de tous les trois mois de remplacer ces 60 déportés par des nouveaux déportés, former un nouveau commando, les anciens étant gazés à leur tour et mis dans les crématoires par les nouveaux. Si bien que ceux qui ont été nommés dans le four crématoire chambre à gaz numéro 4, en septembre 44 peut-être, se sont concertés. Parce qu'ils savaient comment ça se passait, ils avaient été sélectionnés à Birkenau, ils étaient parfaitement au courant de ce qui se passait. Ils se sont dit, maintenant qu'on est là, on est condamné à mort. On sait qu'un jour ou l'autre, on va être gazé. Donc avant de mourir, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Alors ils sont concertés et ils ont réussi à mettre hors d'état de fonctionner leur chambre à gaz. Ils ont naturellement été fusillés, mais enfin ils avaient fait ce qu'ils voulaient. C'était le 7 octobre 1944. Et les nouvelles circulaient entre camps. On ne sait pas comment elles arrivaient ni d'où elles venaient, mais enfin elles circulaient. Donc très vite, on a su qu'une chambre à gaz avait été mise hors d'état de fonctionner. On recevait des nouvelles de camp à camp et même de l'extérieur du reste. On arrivait à savoir à peu près ce qui se passait. Des nouvelles tantôt vraies, tantôt fausses, du reste, mais enfin on avait des nouvelles. Donc on a su qu'une chambre à gaz avait été mise hors d'état de fonctionner, comme on a su un peu plus tard qu'un ordre est arrivé de Berlin d'arrêter toutes les chambres à gaz dans tous les camps d'extermination, tous situés en Pologne, et de les faire exploser au fur et à mesure que l'armée russe approcherait pour libérer le camp. Donc voilà, notre survie se poursuivait comme ça. Le dimanche, on n'avait pas travaillé. Et puis une fois, on n'est pas allé travailler comme tous les dimanches pour nous. Mais le lendemain, on n'est pas allé travailler non plus.
Alors là, on s'est posé des questions, comme chaque fois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Qu'est-ce qui va nous arriver? Bon, ce deuxième jour s'est passé comme un dimanche normal, et le lendemain, on est retourné travailler, comme si de rien n'avait été. Donc, et quelques jours après, les nouvelles arrivant, on a appris que ce deuxième jour était le 25 décembre 1944. Et encore en rentrant après la guerre, j'ai pu vérifier sur un calendrier 44 que le 25 décembre était bien lundi. Le 25 décembre, le jour de Noël, la fête par excellence des enfants, qui étaient pratiquement tous gazés à l'arrivée à Birkenau. Je dis pratiquement tous parce qu'il pouvait se faire que dans certains cas, le SS qui procédait à la sélection du côté des femmes et enfants remarque des enfants qui physiquement lui paraissaient pas normaux. On ne sait pas ce qu'il pouvait voir, hein. Une bouche de travers, enfin n'importe quoi. Les jumeaux, là les jumeaux, il les repérait bien. Alors il les mettait de côté, parce qu'ils allaient faire sur ces enfants, ils le faisaient aussi sur les adultes, mais là je vous parle des enfants, ils allaient faire sur ces enfants ce qu'ils appelaient, entre guillemets, leurs expériences médicales. Alors ils les mettaient dans un bâtiment, ils les nourrissaient normalement pour qu'ils restent dans l'état où ils étaient arrivés, et ils leur inoculaient des produits, ils leur faisaient avaler différents trucs. Enfin, quand ils avaient fini leur constatation, qui pouvait durer quelques semaines ou quelques mois, piqûre de phénol dans le cœur, ils les tuaient comme ça. Mais enfin, ils avaient respecté le jour Noël, ce qui m'a fait un point de repère. Parce que s'ils avaient arrêté les chambres à gaz, il y avait quand même eu encore, après les appels, une ou deux sélections. On se demandait bien ce qu'ils avaient fait, des personnes, des hommes qu'ils avaient sélectionnés. Mais enfin, bon. Et là, quelques jours après Noël, j'ai été sélectionné. Je vous dis, ça m'a fait un point de repère parce qu'on avait complètement perdu la notion du temps. On voyait bien qu'au point de vue météo, que ça changeait. Mais on ne savait plus à cette époque-là si on était en novembre, décembre ou janvier. Donc je savais qu'on était en décembre. Et quelques jours après, au cours d'un appel, après l'appel, j'ai été sélectionné. Donc, sorti des rangs, sachant que les chambres à gaz étaient arrêtées, alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Enfin, finalement, ils nous ont ramenés à Birkenau, et cette fois, nous attendait un train, mais cette fois, des wagons plats comme cette table-là, juste entourés de planches qu'on appelle des ridelles, et ces wagons servant habituellement au transport du charbon extrait des mines de la région. Donc on est monté sur ces wagons, juste avec notre veste, nos pantalons et des souliers sans chaussettes. Il faisait entre moins 25 et moins 30. On se recroquevillait comme on pouvait sur ce wagon. Ce train a démarré. Ça n'a pas duré plus de la journée, heureusement. On a roulé comme ça et on est arrivé dans un camp situé au nord de la Pologne, au bord de la mer Baltique, alors que Auschwitz est au sud-sud-ouest de la Pologne. Mais à l'époque, on savait qu'on était en Pologne, mais on ne savait pas à quel endroit. Ça, je le sais depuis que j'ai vu des cartes en rentrant de Pologne. Donc voilà, on a traversé toute la Pologne. On est arrivé dans un camp qui s'appelait le Stutthof, ne pas confondre avec Struthof en Alsace. C'est Stutthof en Pologne, à une trentaine de kilomètres de Gdansk en polonais. Donc on est arrivé dans ce camp, entre guillemets, normal. Chambre à gaz également arrêtée, il y en avait une. Et baraque en bois, comme tous les camps. On a été mis dans une de ces baraques et de nous affecté à un commando de travail. Cette fois, j'ai été affecté à travailler dans une usine. Alors, petit avantage, parce que dans des camps pareils, on remarque tout de suite les petits avantages qu'il peut y avoir. Si on subissait la bise glaciale qui arrivait du large, puisqu'on était au bord de la Baltique, au moins, arrivé dans l'usine, on subissait plus cette bise. Donc, j'ai travaillé dans cette usine. Et puis, un jour, les SS sont partis. Ils ont été envoyés sur le front de l'Est, au-devant des Soviétiques, et remplacé pour garder le camp par des soldats de l'armée régulière, des soldats de la Wehrmacht, qui, eux,
avait subi déjà toute la campagne de Russie, avait peut-être même été mobilisé dès le début de la guerre, en 40, en 39 même. Donc très content d'être amené vers l'arrière, il faut reconnaître que c'était beaucoup moins rude qu'avec les SS. Ils n'étaient pas toujours après nous, à nous taper dessus, à nous embêter. Bon, c'était un peu plus souple, disons. Donc voilà. Alors on continue à travailler comme ça. Et puis j'ai fait une chose que j'aurais pas fait quand les SS étaient. Avec du pied gauche qui commençait à me faire mal, j'en ai conclu qu'il devait commencer à geler. Donc j'ai allé à l'infirmerie où je savais que j'allais trouver un médecin lyonnais qui avait été arrêté à la même période que moi, le docteur Fischer. Il avait à l'époque son cabinet au 7 Université à Lyon. Donc il avait été arrêté à la même période que moi. On se connaissait depuis Montluc, on s'est suivi, Montluc, Drancy, Auschwitz, il travaillait avec nous. Et là, enfin, dans ce camp, il avait été affecté à l'infirmerie du camp. Donc je suis allé le voir, il a regardé mon pied, il m'a dit « Oh, c'est pas dramatique, c'est une grosse engelure ». Il n'avait rien pour me soigner. Il avait juste des rouleaux de papier, genre papier Kraft. Il m'a dit « Je vais t'entourer le pied avec ça ». Ça n'a pas beaucoup isolé du froid. Mais demain matin, au moment de partir travailler, maintenant qu'ils ne disent plus rien, tu leur fais voir ton pied et tu leur fais comprendre que tu ne peux plus marcher et tenir debout toute la journée. Et ils ne vont rien te dire. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc je ne suis pas parti travailler pendant quelques temps. La seule chose, c'est qu'ils nous ont obligés, dis-nous, parce qu'on était plusieurs de ce que j'appelle des tirs au flanc, on n'était pas plus malades que ça. Ils nous ont simplement obligés, dans la journée, à nous coucher par terre, directement sur le ciment. Quand on n'a plus que la peau et les os, c'est pas confortable. Mais enfin, voilà. C'est une heure ou deux le matin et l'après-midi, ils nous laissaient nous promener de long en large dans le camp. Et puis un jour, les SS sont revenus. Alors là, je suis reparti travailler. Je ne voulais pas rester dans le camp quand les SS étaient là. On ne savait jamais ce qui pouvait leur passer par la tête. Ils avaient le revolver facile. Donc, je suis reparti travailler. Et début mai, évacuation finale de ce camp. Il y avait déjà eu des évacuations partielles. C'est des portés qui partaient sur les routes. Parce que quand ils évacuaient un camp, c'était pour emmener des portés dans un autre camp. Ils partaient à pied sur les routes. Ils les faisaient marcher relativement vite, de ceux qui ne pouvaient pas suivre, parce qu'épuisés, ils les abattaient d'une balle, d'autres qui tombaient d'eux-mêmes, ils étaient tellement au bout qu'ils tombaient sur la route, ils étaient morts, ils laissaient tout ça, c'est pour ça qu'on va appeler ça les marches de la mort. Donc nous, je pense, comme c'était début mai 1945, ils ne devaient plus savoir par où passer. Les Anglo-Américains avaient libéré pratiquement toute l'Allemagne et tous les camps en Allemagne. D'autre part, les Soviétiques étaient à proximité de notre camp, ils n'étaient pas loin. Donc ils nous emmenaient dans un petit port à proximité de Stutthof, où ils avaient aligné des péniches le long du quai de ce port, et 4-5 péniches. Donc ils nous ont fait descendre à fond de cale de ces péniches, 3-4 SS par péniche vérifiaient qu'on descende bien. Arrivé en bas, on était dans le noir le plus complet, à quatre pattes, on partait, et quand on touchait celui qui avait été avant nous, eh bien on s'asseyait. Quand tout le monde a été embarqué, les SS sont descendus à leur tour, et les péniches ont commencé à quitter le port. Mais les SS qui étaient descendus, en ce qui concerne la péniche dans laquelle j'étais, ils ont sans doute trouvé qu'ils s'étaient pas gardés assez de place. Quand ils ont voulu s'asseoir, est-ce qu'ils ne pouvaient pas longer les jambes comme ils voulaient, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il, comme ils avaient une solution pour tout, là encore ils l'ont trouvé. Les derniers d'entre nous qui étaient descendus dans cette cale, ils les ont fait remonter, ils étaient les plus près de l'échelle, ils les ont fait remonter, pousser dans la Baltique où ils se sont noyés, et comme ça, les SS sont fait de la place. On a navigué dans le noir comme ça, peut-être une journée, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Il faisait noir, ils n'ont rien donné. Je ne me rappelle pas à quel moment ils ont pu nous donner à manger ou à boire à ce moment-là, à cette période-là. Toujours est-il qu'on a navigué comme ça, puis les péniches sont arrêtées. Alors ils nous ont fait monter et on s'est retrouvés sur un cargo. Il y en avait un deuxième, il y avait deux cargos là, qui étaient ancrés là
certainement depuis longtemps, qui n'avaient pas navigué. On était à l'intérieur d'un port, mais en rade du port. C'est-à-dire qu'on voyait au loin les quais de débarquement, d'embarquement des marchandises, les immeubles de la ville, mais on était, ces cargos, comme une île au milieu de l'eau, à l'intérieur du port. Donc on s'est assis, ils ne nous ont rien dit. On s'est assis, et puis on a attendu, comme ça. Les SS se promenaient sur le pont. Je saurais plus tard qu'on était en rade de Flensbourg, une ville du nord de l'Allemagne. Alors, ma foi, les SS se promenaient un jour, deux jours. Et puis, le troisième jour, on regarde autour de nous, plus de SS. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir sur ces vieux rafiaux? Ils nous ont abandonnés. Je ne sais plus depuis combien de temps ils nous ont pour donner à manger. Ils nous ont abandonnés. Ou ils vont nous laisser comme ça mourir tranquillement, ou alors ils ont miné ce truc et ils vont le faire sauter. On s'est fait un tas d'idées toute la journée. La nuit suivante, une nuit noire, on ne voyait rien, puis on était aussi à moitié abrutis, quoi. On somnolait comme ça, et puis on entendait des gens qui allaient, qui venaient. Ça faisait... Puis quand le jour s'est levé, on a vu que c'était des hommes habillés en civil, qui allait d'un côté du cargo, qui revenait de l'autre. Alors on a essayé de se redresser un peu, de regarder à notre tour. Et qu'est-ce qu'on voit? À un des bouts du cargo, on voit des bateaux, genre grosses barques, qui battaient le pavillon de la Croix-Rouge. Il s'avère que ce jour-là, on est le 10 mai 45, c'est-à-dire deux jours après la capitulation sans condition de l'Allemagne, et que c'est la Croix-Rouge suédoise qui vient nous chercher. Ils avaient appris qu'on était là. Donc ils nous ont emmenés en Suède, on a débarqué à Malmö, dans le sud de la Suède. Là, ils nous ont fait entièrement déshabiller, brûler tout ce qu'on avait sur le dos, les vêtements, les souliers, enfin les vestes, les pantalons, les souliers, couverts de poux, de vermine, de tout ce qu'on peut imaginer. On en avait autant sur nous. Ils nous ont passés dans des étuves à haute température pour tuer tout ça, une douche pour tout évacuer, ensuite donner des vêtements propres et civils propres, et nouvelle sélection. Cette fois, pour les plus faibles, les emmener en ambulance, et ceux qui paraissaient moins faibles, monter dans un train qui était là sur le port. Je suis désigné dans cette dernière catégorie. Alors je m'approche du train. Seulement, il y avait un problème. C'est que dans une gare, on est dans un port là, dans une gare, vous avez un quai pour les voyageurs quand vous prenez le train, et puis il y a une fosse où il y a les roues et les bas de caisse des wagons qui sont dans la fosse, et l'entrée des wagons, à ce moment-là, ils étaient assez hauts, mais enfin, il y avait toute cette partie basse du wagon qui était dans la fosse, dans les gares, et la première marche était à notre hauteur. Mais là, le port, il n'y avait pas de fosse. Les roues du wagon étaient à la hauteur de nos pieds. Alors je me suis approché de ces wagons, et la première marche était très haute. J'ai levé la jambe autant que j'ai pu. J'ai posé le pied sur la première marche, mais je n'ai pas pu aller plus loin. Un infirmier qui était dans le wagon m'a vu, m'a pris sous les aisselles, m'a mis dans un compartiment, on est parti, et on est arrivé dans un grand bâtiment blanc, qui était une école qu'ils avaient transformée en hôpital de campagne. On y a retrouvé des lits individuels avec des draps blancs, ce qu'on avait prévu depuis longtemps. Ils nous ont pesés, je faisais 30 kilos. Je vous rappelle, j'en faisais 45 10 mois plus tôt. J'avais perdu un tiers de mon poids, et on m'a expliqué que si j'étais pour monter dans le train, c'est que j'avais plus de muscles. Donc on a pu aussi envoyer des télégrammes à nos familles, si on en avait encore en France. Moi, j'avais ma grand-mère, qui n'avait pas été arrêtée avec nous, puisqu'elle n'était pas à la maison. Mais qu'était-elle devenue ? Est-ce qu'elle avait été arrêtée après nous? Je savais d'autre part que son appartement avait été occupé par la milice. Je savais pas dans quel état il l'avait laissé, s'il avait pu le récupérer. Alors dans le doute, j'ai envoyé ce télégramme à des amis à elle, dont je me suis rappelé l'adresse à Lyon, qui ont pu lui transmettre le télégramme. Elle avait récupéré son appartement. Donc elle a su très vite que j'étais en Suède. On a été soignés 2 mois en Suède. Au bout d'une dizaine de jours, le médecin suédois, qui parlait très bien le français, m'a dit
On t'a fait des piqûres de camphre parce que tous les jours, j'avais 3-4 piqûres, tantôt dans un bras, tantôt dans l'autre. On t'a fait des piqûres de camphre pour te soutenir le cœur. J'avais 16 ans et demi, il fallait me soutenir le cœur. Et il ajoute, aujourd'hui je peux te dire que tu es sauvé, quand tu es arrivé, je te donnais pas 24 heures. Donc c'était grand temps que ça s'arrête. Donc on a été soignés 2 mois comme ça. Le 14 juillet 1945, ils nous ont emmenés à Göteborg, un port de l'ouest de la Suède, où on a retrouvé d'autres escapés qu'ils avaient récupérés d'autres camps. Un paquebot était là qui nous attendait. On est monté à bord de ce paquebot. On est parti le 14 juillet donc de Suède. Ce paquebot, en faisant le tour des îles britanniques, parce que le port de Calais était miné, nous a débarqué à Cherbourg le 20 juillet 1945. Le 21 juillet, on est à Paris. On nous a donné des papiers, des billets de train pour rentrer chacun chez nous. Et le 22 juillet, j'étais de retour à Lyon, où j'ai retrouvé ma grand-mère. Évidemment, sa première question a été, est-ce que tu as des nouvelles de ton grand-père, son mari, de ta maman, sa fille? Je lui ai dit, grand-père, il ne rentrera pas. Je ne pouvais pas lui cacher qu'il était mort quelques heures après notre arrestation. Quant à maman, je n'ai pas plus de nouvelles que toi. Dans l'absolu, c'était vrai. J'avais aucune nouvelle. Mais connaissant le traitement qu'on avait subi, je savais très bien, moi, que si 2 mois et demi après la capitulation sans condition de l'Allemagne, elle n'avait pas donné signe de vie, c'est qu'elle n'était plus de ce monde. Ma grand-mère l'a deviné toute seule par la suite. Voilà quel est mon récit. Je vous demande de ne pas applaudir. Il faut surtout penser à tous ceux qui ne sont pas rentrés. Merci.